Donc salut Stéphane. Salut. Donc là on est dans un jazz club parisien qui s'appelle Chez Papa. Et ça tombe très bien ce nom car ton père venait donc souvent écouter de la musique ici. Et en parlant de ton père, t'as sorti un album récemment qui s'appelle Spira Bassi. C'est un duo avec Giovanni. Ouais, Giovanni Bassi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de cet album? Bah en fait, c'est vrai que c'est un album, mon père nous a quitté il y a peut-être 2 ans à peu près, 2007. Et c'est vrai que cet endroit est un peu emblématique, puisque comme quoi il porte bien son nom finalement. Puisque c'est vrai que je venais très souvent ici avec mon père, manger un bout, faire le bœuf, notamment avec Ahmed Kulbeck qui jouait ici très souvent, avec qui j'ai fait beaucoup de sessions. Et donc oui, je viens de sortir cet album pour lui rendre hommage. Deuxième album. J'avais sorti un premier disque en 2006 qui s'appelle First Page, qui était en fait un disque qui avait été le fruit aussi d'une longue maturation, on va dire. Puisqu'en fait j'ai commencé la musique sur le tard, j'ai commencé professionnellement la musique à 30 ans à peu près. En tout cas, j'entends par professionnellement, sinon le fait d'en vivre. C'est d'y consacrer tout mon temps. Et ça m'a pris à peu près 10 ans pour m'estimer, disons, étant autodidacte, pour m'estimer, disons, à un niveau qui permettait de rentrer dans un studio et de pouvoir, disons, faire de la musique que je pourrais revendiquer par la suite. Voilà. La composition, de toute façon, est liée, je pense, à ma forme d'expression. Je suis pas juste instrumentiste, c'est clair. Et ça s'est confirmé par la suite. Donc, quand j'ai sorti cet album en hommage à mon père, donc, qui évidemment est d'une teneur complètement différente, puisque c'est un duo. Le soprano y tient une très grande place. Oui, d'ailleurs, pourquoi ce choix du soprano? Ben, je pense que c'est un choix qui enfin, c'est pas réellement un... Enfin oui, c'est un choix, mais c'est un peu... Disons, j'écoute dans l'écriture. Oui, je le prévis dans l'écriture. Disons que moi, j'aborde le saxophone, je pense, d'une manière un petit peu... Comment dire? Je vais pas dire un peu différente, parce qu'il y a une forme de prétention qui en découle, et c'est pas du tout l'objet de mon propos, mais disons que... Je considère d'abord le sax comme une voix. Voilà, on peut dire les choses comme ça. Pour moi, le sax est une voix avant tout. Quand tu découvres l'instrument à 20 ans, alors que tu es embarqué dans une mad space, si tu veux, je pouvais même pas. J'étais déjà content d'avoir trouvé un instrument que j'aimais. Et je me disais, tiens, là, je risque de vraiment m'accrocher, de me faire plaisir avec l'instrument. J'ai cru lire, t'as pas fait l'école du jazz, mais t'as fait l'école du jazz quand même. Non, c'est-à-dire que oui, c'est Pascal Antil qui avait écrit cette phrase que je trouve très juste, qui avait dit, je n'ai pas fait d'école de jazz, mais j'ai fait l'école du jazz. Voilà. Ce qui est exactement, ce qui est effectivement là pour le coup, je pense, est de plus en plus rare. Et je dis pas ça au sens que je me sens exceptionnel, mais je pense que c'est juste un signe des temps. Il y a de plus en plus d'écoles, donc des gens de ma génération et même des générations avant sortent, mais déjà dans ma génération, ils sortent déjà, la plupart sortent des écoles, où on fait les écoles, entre guillemets, les conservatoires, etc. Et puis des générations plus jeunes que moi, n'en parlons pas. Enfin, je veux dire, c'est.
Donc c'est vraiment un peu à l'ancienne. Mais c'est ça, c'est la vie qui a voulu ça en fait. C'est-à-dire que j'ai vraiment découvert l'instrument sur le tard, complètement barré dans des études scientifiques. Et parce qu'il y en a aussi qui ont fait les deux en parallèle, mais moi c'était pas les pas. Il y en a qui effectivement sont nés devant, enfin ont eu un piano dès l'âge de 4 ans et ont fait des études scientifiques, mais moi pas du tout. C'est-à-dire que vraiment, je partais de scratch quand j'ai découvert le sax vers 20 ans. C'est que quand j'ai enregistré le premier disque finalement avec Olivier Huttman, Gilles Naturel, Philippe Soira et Stéphane Belmondo sur 2-3 titres, en fait je me suis retrouvé en studio avec des gens que j'allais écouter finalement alors que je ne jouais pas de sax quoi. Et quand tu vois que les mecs, bon, ça, enfin juste que ça le fait quoi, tu vois pas qu'ils font pas des bons mais qu'ils ont le sourire, on passe un bon moment, musicalement ça tient la route, c'est, pour moi c'était une énorme fierté quoi. Aimer le chant, donc le chant on va dire au sens large du terme, c'est-à-dire que pour moi la façon d'aborder l'instrument n'est pas du tout, disons que c'est le jazz qui m'a amené au saxophone, j'étais pas un saxophoniste qui jouait de cet instrument et qui essayait d'en maîtriser sa technique et qui est venu au jazz, c'est en entendant du jazz, le jazz et un saxophoniste. C'est ça qui m'a amené à l'instrument. Donc j'ai cette approche qui est vraiment très liée au chant. Donc par exemple, mes influences ne sont pas nécessairement des saxophonistes. Pour moi, très loin de là. C'est-à-dire que j'aime évidemment les maîtres qu'on aime tous parce que, évidemment, je suis en saxophonie, j'aime Charlie Parker, John Coltrane, ça va sans dire. Mais j'ai été profondément influencé par Shelly Horn ou la musique brésilienne, des gens comme Jobim, des gens comme. Miles Davis, et je parle vraiment Chet Baker, c'est-à-dire c'est vraiment des gens qui m'ont profondément influencé. Quand j'ai joué avec Michel Duralier, j'ai eu la chance de jouer un peu avec lui, Michel, si tu connais, il a accompagné Chet Baker pendant pas mal d'années, et il y avait cette notion de sur le silence, le chant, de porter la note, quoi. Et c'est peut-être aussi ce qui explique le fait que je joue de plus en plus de soprano. Parce qu'en fait, la notion, je pense, de voix, c'est ce qui sera, ça se rapproche encore plus de la voix humaine, je pense. En tout cas pour moi. Il y a cette notion de lien direct entre. Comme je sais pas, j'ai du mal à trouver les mots, mais c'est très, très direct. Un prolongement qui paraît encore plus direct qu'au ténor. Voilà. D'accord. Le ténor fait plus saxophone d'une certaine manière, alors que le soprano fait plus voix. Voilà. D'accord. Merci Stéphane. Je t'en prie.